Du coup, on est une asso qui est là pour vous offrir du matériel à faible coût. Parce qu'on commande en gros et on ne fait pas de bénéfice dessus, donc ça vous permet d'avoir des prix plus bas. Et du coup, ça vous permet d'éviter des fins de mois difficiles et de dépenser des SMIC entiers dans les magasins de beaux-arts. Alors, du coup, si vous avez besoin de quelque chose avec Coop, vous pouvez venir tous les jours au local de midi à 14h. Nous, on tient nos permanences, donc vous pouvez venir au comptoir directement et nous dire ce dont vous avez besoin. Et si vous n'avez jamais vu encore le local, il est au milieu de l'école, juste à côté de la cafette. Donc vous pouvez pas le rater. Et je pense que le plus gros avantage, c'est vraiment le fait qu'on a un micro-ondes privatif qui est génial. On n'a pas besoin de faire la queue devant la cafette pour faire chauffer notre repas. Donc c'est nickel. Ensuite, on a un super logo qui est gratuit sur le pull de l'école. Donc ça, c'est bénef aussi. Ensuite, la COP, ça te permet de rencontrer du monde. Tu peux te poser au local pour faire tes cours, écouter de la musique. Moi, j'ai rejoint la COP parce que les gens sont vraiment super sympas. Et puis, on a un micro-ondes, donc le midi, c'est trop pratique. Et on peut toujours dépanner des potes ou se dépanner soi-même quand on a besoin de carton. Donc vraiment, rejoindre la COP, c'est tout bénef. Avant de connaître la COP, mec, je passais des heures sur les sites internet et un magasin à la recherche du carton au prix le plus bas. Mais ça, c'était avant. Merci la COP, merci. La COP, c'est avant tout une histoire de partage. Grâce à la COP, je crois que la vie a pleinement. Pour moi, la COP, c'est avant tout des économies et une belle bande d'amis. À la COP, c'est les soldes tous les jours. Et coucou, du coup, moi, la plus grosse galère dont la COP m'a sauvée, c'est tout simplement refaire son petit stock de carton avant un rendu, quand t'as pas le temps d'aller à Rouget, quand t'as le temps de rien faire à part bosser ta maquette. Auquel je n'avais absolument aucun crayon, pas très pratique. J'ai donc investi dans le pack crayon que proposait la COP. Et un investissement vraiment de qualité. Je le conseille à tout un chacun. Du coup, c'est vrai que la COP m'a jamais vraiment sauvée d'une galère parce que je suis quelqu'un d'assez organisé. La COP m'a sauvée quand j'avais besoin de 41 plaques de carton gris. Il n'y en avait plus à Rougier. Il était 18h et la COP m'a sauvée. Et ça, c'est beau. La plus grosse galère dont la COP m'est sauvée, c'est vraiment une galère de colle. C'était sûrement un jour avant le rendu parce que j'étais tout le temps en charrette. Donc, colle. Essentiel pour des maquettes moches, mais essentiel. Le jour de la COP, c'est tout simplement profiter de leur meilleur super micro-ondes. Et déjà, le micro-ondes, l'accès illimité et gratuit, ça c'est super. Déjà, tu peux utiliser leur micro-ondes et ça te fait gagner vachement de temps à midi. Déjà, c'est des gens formidables. Ensuite, tu peux utiliser leur micro-ondes. Il n'y a que deux micro-ondes dans l'école, donc c'est hyper utile, tu vois. Ensuite, tu peux manger dans leur local. Top aussi, genre, génial, tu vois. Et ensuite, ils peuvent t'ouvrir la COP à n'importe quelle heure du jour, pas de la nuit, même quand c'est pas ouvert, normalement, pour que t'achètes tes fournitures. Et ça, chef's kiss. Ils peuvent te faire des crédits si jamais t'as pas d'argent sur toi et donc tu payes plus tard. Et aussi, ben, quand t'as pas envie de manger dans les couloirs ou dans les ateliers, ben, on peut s'y retrouver et c'est cool. Bon, ils sont sympas aussi, donc c'est aussi le point positif.